Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul et une carte que j'ai faite pour une jeune femme qui va se marier dans quelques jours. C'est la fille d'un de nos meilleurs amis. Et en fait, je voulais vous la présenter. Donc cette carte, je l'ai trouvée sur Pinterest et en cherchant autre chose sur YouTube. J'ai vu que il y avait aussi une autre youtubeuse qui l'avait faite aussi. Bon, elle n'est pas tout à fait pareille que la mienne. Le gaufrage du papier, c'est pas le même. Et le fond non plus, là, c'est pas pareil. Donc voilà. Mais enfin, elle l'avait faite aussi. Donc elle avait dû faire comme moi. Elle avait dû l'avoir sur Pinterest. Donc voilà. Donc elle. Papier qui est gaufré, c'est avec des plaques de chez Action que j'ai depuis longtemps. Les petites alliances, c'est des stickers que j'achète. Je les ai achetés chez Cultura. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Je vais enlever la carte. C'est des petites choses comme ça. Il y a des alliances, des gants, des robes de mariée. Bon, là, c'est les petits cœurs que j'ai pris pour mettre sur la carte. J'ai aussi des alliances. Et puis d'autres petits cœurs aussi comme ça. C'est vraiment super joli, très fin. J'aime beaucoup. Donc voilà, et je lui ai fait une boîte avec. Parce qu'en fait, pour l'envoyer dans une enveloppe à bulles, j'ai peur qu'elle s'abîme. Donc j'ai fait une boîte comme ceci, avec du papier de chez Action. Là, je vais lui mettre un beau ruban blanc ou rose. Voilà. Donc elle sera dans une jolie boîte. Je voulais aussi en profiter pour remercier toutes mes nouvelles abonnées. J'en ai eu au total 10 en l'espace d'une semaine grâce à mon album que j'avais fait de chez Hélène Scrap. Donc je vous remercie et bienvenue sur ma chaîne. Ensuite, donc le haul, c'est j'ai commandé de la dentelle comme ceci. Ça vient de chez Amazon. Est très 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 jolie, magnifique. Ensuite, j'ai commandé des rouleaux de strass, pareil chez Amazon. En fait, j'ai commandé tout ça sur Amazon parce que chez le Action qui est chez moi, en fait, l'autre fois, je suis allée vite vite fait. Voir un petit peu ce qu'il y avait et en fait ils n'avaient rien. Tout ce qui est le rayon scrap, c'était presque vide. Donc j'ai commandé, j'avais besoin de strass, j'avais besoin de dentelle. Donc j'ai commandé ça sur Amazon. Et j'ai aussi acheté chez Craftelier des cadres en résine. Donc j'en ai pris deux ovales, comme ça. Ils étaient en promo, dans les 4,30 € ou quelque chose comme ça. Voilà. Et j'en ai pris des rectangulaires qui eux aussi étaient en promotion, pareil, dans les 4 €. Donc là par contre j'en ai pris 4 parce que à ce prix-là, ça valait vraiment le coup. Et j'ai acheté tout ça parce que j'ai le projet de faire un album avec ce papier-là, le Chavis Rose de chez Stamperia. Donc là, c'est une commande. C'est une dame qui m'a contactée par mail, qui avait vu donc mon album House of Rose. Ça lui a beaucoup beaucoup plu, donc elle m'a demandé de lui en faire un et je lui ai proposé de lui faire avec ce papier-là. Donc je vais le faire, je vais faire avec ce papier. Donc j'en ai commandé toujours chez Amazon. Voilà.
J'en ai, il a, en fait, pour faire un album, il en faut deux. Donc, je les ai commandés. Voilà. Papier est aussi magnifique que l'autre. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Alors, je pense que là, en ce moment, je fais pas mal d'albums. Ça prend du temps, mais c'est super agréable à faire. Et je pense que je vais faire tous mes albums, je vais les faire avec Stamperia parce que franchement, ce papier, il n'y a pas photo quoi. Et j'ai commandé aussi celui-là, Cérémonie. Voilà, je ne l'ai pas défait. Je m'excuse si je le défais, ça va faire du bruit. Voilà, donc je vais, parce qu'en fait, la jeune femme à qui j'ai fait la carte, je vais lui faire aussi, je vais lui faire un album de mariage. Et j'ai donc commandé celui-ci aussi chez Amazon, qui est tout aussi magnifique que les autres. Voilà. Donc pareil, je vais lui faire un album avec ce papier qui est superbe. Et donc je vais avoir beaucoup de travail. J'avais reçu mes fleurs de chez Prima. Enfin bon, je pense que vous les connaissez. Moi, je les ai mis dans une petite boîte. Donc il y en a un petit peu de toutes les grosseurs. Des, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Il y avait des feuilles. Des petites feuilles blanches, ça c'est intéressant. Là, les feuilles vertes, moi je les trouve pas terribles. Je trouve qu'elles sont pas très jolies. Donc il y avait ça aussi dedans. Il y en a des avec des petits carreaux. Non, ça n'a rien à voir. C'est des fleurs que j'ai faites d'après le tuto de Béa. Voilà. Donc elle a, il y a longtemps, hein. C'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, et donc il y avait celle-ci aussi, parce que là pour l'album en fait, pour faire la couverture, j'avais besoin de toutes ces fleurs là, donc j'en ai commandé, toujours chez Craftelier, avec leur petite sucette, c'est marrant, à chaque fois dans les colis ils mettent ça. Donc voilà, donc avec les petites feuilles aussi, et des feuilles comme ça, j'en ai préparé... des roses et des blanches avec le l'Inca Gold. J'avais des feuilles vertes qui sont vertes très 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 vifs, donc c'est pas très joli. Donc je vous montrerai ça aussi. Alors bon, mon album, je vais le commencer là, et dès que je l'aurai fini, ben, je vous le présenterai. Parce que là, ça va être un bon petit boulot aussi, qui va bien m'occuper. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo, surtout pour vous remercier de toutes les nouvelles abonnées. Je suis très contente. Donc ça veut dire que mon album a plu. Et je vais continuer à faire mes petits albums. Et je vous le présenterai quand j'aurai fini. Voilà, je vous laisse. Bon dimanche. À très vite. Ciao, ciao.